Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Il est 7h du matin. Voilà. Donc, là, je vais aller faire mon petit cardio du matin. Les amis, j'ai eu de l'inspiration. Je me suis réveillé, j'ai eu de l'inspiration. J'ai dit, bon, pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Quand l'inspiration arrive, Maître Cali dégaine la caméra. Il va directement tourner cette petite vidéo pour vous. Alors, le synthol, c'est de la gonflette. La preuve, je l'ai, la preuve, les amis. La vidéo ne va pas être rapide. De toute façon, on le sait très très bien que le synthol, c'est de la gonflette. Ça vous permet de gagner, par exemple, des centimètres de tour de bras en quelques mois. D'accord? Comme par exemple, rappelez-vous le petit jeune où une fois j'avais fait une vidéo sur lui avec le synthol. Le petit, il a des pays de l'Est. Il a pris à peu près 25 cm de tour de bras en quelques mois. Voilà, je vous montre une photo de lui. Les amis, en aucun cas, c'est du muscle de qualité. En aucun cas, il a pris de la masse musculaire. En aucun cas, il a pris de la force. Rien du tout. C'est juste esthétique et c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Ça pend de partout. C'est n'importe quoi. C'est juste pour faire le buzz. Mais un buzz qui va lui coûter son bras, lui. D'accord? Il y en a plein. Rappelez-vous le Brésilien qui a eu des problèmes, qu'ils étaient obligés d'enlever des glandes, je ne sais pas quoi, c'est dégueulasse. Il y en a même qui vont se faire amputer les bras. Et tout ça pourquoi? Pour le buzz, ok. Mais travailler à la salle de sport, vous pouvez gagner des centimètres doucement, patience en musculation et prendre de la masse et prendre de la force. Alors cette personne-là, elle a participé, elle a cru à un moment donné que le fait d'avoir ce volume-là, on dirait un ballon gonflable. On dirait qu'il a, voilà, qu'il a pris un ballon, qu'il a rempli avec de l'eau et tout ça. Il allait se mesurer dans des concours de claques. D'accord? Dans les pays de l'Est, les concours de claques, ils sont réputés pour ça et ça commence à se développer et à faire le buzz. Je vous laisse avec la petite vidéo qui suit. Vous allez tout comprendre. Et je reviens pour la conclusion, les amis. Кирилл, тебе правила ясны? Нельзя я звать понял. На помощь маму. Нельзя никого. Блядь, ты Макс, не говори со мной его, так. Понимаешь? Не надо со мной так Кирилл, говорить. Кирилл, раз ты соизволил прийти к нам на шоу, будь добр, терпи удары. Моральные, психологические. Орел, Решка. Решка бьет первый Кирилл. Ударил по ушам, нормально? Не по правилам. Держите, держите. Держите, на штаты. Et maintenant, il a pris une claque. Une claque. Ça l'a assommé. Et lui, quand il a mis sa claque, franchement, on a entendu. C'est tout. Son adversaire, il était debout. Mais par contre, la claque qu'il lui a mis, ça l'a couché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune homme, à un moment donné, il a cru dans sa tête, voilà, qu'il pouvait, avec le synthol qui s'est injecté, qu'il a cru qu'il a pris de la force et qu'il pouvait rivaliser avec un gars qui est maître dans son art, qui est maître des claques. Donc c'est pas de la force du tout et c'est vraiment de la gonflette. Donc les gens qui nous voient pousser à la salle de sport des années et des années et des années, qui disent c'est la gonflette, ne comparez pas ça à des mecs qui prennent des synthol, où ils se font des prothèses, où ils se font, comment vous dire ça, ils font des implantations, là, ils greffent des pecs, des trapèzes, des épaules, des bras, tout ça là, tout ça, le muscle facile. Nous, on travaille très très dur, on charbonne à la salle comme des spartiates, jour et nuit pour faire du muscle de qualité.
Et pour pas une personne qui vient en fin de compte nous dire c'est de la gonflette. Ah non, parce que c'est du muscle de qualité, on va crever avec. On l'utilise chaque jour dans notre métier, que ça soit coach sportif, que ça soit maçon, que ça soit peintre, que ça soit n'importe quel métier, que ça soit ouvrier à la bâtiment, n'importe. On les utilise pour porter, pour déménager, tout. On arrive à utiliser nos muscles qu'on a acquis pendant des années et des années et des années. Et au fil du temps, on a pris aussi de la force et de la résistance. Mais avec le synthol, tu prends rien parce que c'est de la pure gonflette et c'est de la pure merde. Les amis, faites attention à vous parce que ces personnes-là, ils commencent à pourrir et à pourrir votre santé si vous commencez à les suivre. Parce que dans leur tête, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà les amis, la vidéo c'est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Maître Kel, le Facebook de la salle Sparse Gym, la test de bûche, et mon Facebook pro, Hardcore Team HK. Si vous cherchez à avoir des résultats de qualité, un coaching en ligne avec un coach qui vous suit de A à Z pour un programme personnalisé, le numéro de téléphone qui s'affiche. Faites attention les amis, le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter, motherfucking. Et putain, je répète encore une fois, la claque qu'il lui a mis là. Ich bime! Punaise, il lui a dit « Ça, c'est de la gonflette !» Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.